Alors, euh, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment essentiel qu'on se retrouve ici pour une question de solidarité et puis une question aussi d'information euh, vraiment précise sur l'ampleur du désastre actuel. On est vendredi le 20 mars 2020, 17h35. Ce plus le même genre de de feeling qu'on a hein? le vendredi habituellement arrivé, tout le monde est excité. Je peux te dire une chose, le vendredi arrive, tu as 8 milliards d'individus qui sont touchés par ce qui se passe en ce moment. C'est global, c'est planétaire. Quand je vous ai dit il n'y a personne qui sera épargné, je pensais vraiment pas que c'était pour arriver, mais je le disais souvent, il hein? n'y a personne qui sera épargné, tout en même temps en plus. Les gens sont angoissés, tout le monde est paniqué, tout le monde a peur. Moi, je me promène ici, je vais dans les magasins qui restent ouverts, je vois la panique des gens, l'anxiété des gens. Ça, sans compter tous ceux qui sont touchés directement par des morts, hein, par des gens malades à travers le monde, que ce soit en Italie, en Espagne, partout. C'est dramatique ce qui se passe. On a une crise planétaire. Tu as 8 milliards d'individus qui sont touchés en même temps, puis qui vont avoir un impact à court, moyen et long terme indéniable. Quand je vous avais dit tout va changer, je pensais vraiment pas viser comme ça dans le juste j'aurais aimé ça me tromper. J'aurais aimé ça mais c'est malheureusement pas arrivé parce que c'était une fatalité. C'était une fatalité que l'horloger, notre grand créateur, remette les pendules à l'heure parce que ça peut plus continuer comme ça. Vous le savez, je le sais. Là maintenant, on est dans cette histoire là, ça passe par là un peu, l'espèce de remise à zéro. Mais c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Ces gens-là n'ont pas fini non plus. L'élite n'a pas, pas joué sa, sa dernière carte contre la divinité. Il ne faut pas oublier que l'élite joue. Et, et là, ceux qui nous dirigent depuis des milliers d'années, c'est des gens qui sont contre le plan divin. Parce qu'il y a longtemps qu'on serait déjà au paradis. Ces gens-là sont contre le plan divin, veulent rester maîtres et rois. Et veulent nous avoir à leur service en nous divisant et en nous amenant dans les voies de l'enfer. Ces gens-là sont. C'est notre élite qui est en train. qui lutte depuis toujours contre les forces du bien. Parce que on est, comme je vous l'ai dit souvent, on est arrivé ici, tous autant qu'on est, complètement purs. Donc si tu avais eu une élite, parce que tu auras toujours des élites, tu auras toujours des dirigeants. Mais si tu avais des dirigeants vertueux, vraiment vertueux, encadrés et respirant le plan divin, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on serait déjà dans le paradis. Parce que chaque être humain qui est mis ici par la création est un être humain pur, à 100% intact, vierge de tout malice. Avant que l'élite vienne le corrompre, mettre la graine de la division, de la graine de la haine dans lui, la graine de tout ce que tu peux imaginer de négatif, parce que c'est comme ça que ces gens le règnent, dans le chaos, dans les lois de l'enfer. Et on vit l'enfer, d'ailleurs, nous, les populations, depuis des milliers d'années. Parce qu'on nous a mis dans les lois de l'enfer, régis par les lois de l'enfer. Ces gens-là luttent et luttent et luttent, donc... Maintenant, ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est pas fini, ça là. Eux autres, ils sont là encore en train de régner, puis ils en remettent, puis ils en rajoutent, ils s'impriment encore plus d'argent, ils sont encore plus insouciants, puis ils veulent continuer encore plus le même système. Il n'est pas question de réformer l'être humain là-dedans, là. Mais vous et moi, on le sait, c'est quoi le problème. De plus en plus, on est en train de mettre le doigt dessus. Vous avez vu le cheminement qu'on a fait depuis des semaines et des semaines et des mois? Jusqu'à ce qu'on passe par le cœur, le cerveau, l'équilibre, les forces, les émotions, les ondes, l'ADN qui peut être transformé par les ondes magnétiques et électriques du cœur. On a tout parlé de ça. Et on a parlé de retourner aux sources, de retourner aux anciennes civilisations, de retourner à l'esprit de la générosité. De... Puis ça nous amène à aujourd'hui. Ce, cette finalité où on peut comprendre que ça passe que par là. Il faut retourner et retrouver la pureté, mais pour ça, ça te prend une élite vertueuse. Puis tant qu'on va continuer à garder ces gens-là au pouvoir, qu'on va continuer à perpétrer ce système-là dans le temps en allant voter, puis en étant méchant, puis en... c'est à nous de changer. Maintenant, pendant que c'est le temps, pendant qu'on est confiné, méditons, réfléchissons à nous, à ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer ce monde. Il y a une seule façon. De le faire, c'est de se réformer nous-mêmes, de redevenir cet enfant pur qui voit aucune couleur, aucune race, aucune religion, aucune distinction, aucune anomalie, aucune, aucun handicap, et qui vit en harmonie avec lui-même, avec la nature et avec les autres. Devenons cet enfant-là, puis l'élite n'aura pas le choix soit de sauter du pont parce qu'elle ne pourra pas nous supporter, on sera comme l'eau bénite qui est jetée sur le, le diable, ou elle devra se réformer. Mais on en est rendu là, chers amis. Mais au moins, on a vu tout ce cheminement se faire. Et ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais, comme je l'ai dit, on va se, probablement s'en prendre plus dans la gueule. C'est pas, pas la fin, c'est le début. Mais je pensais jamais être... Je voulais pas être aussi précis puis juste en disant que... Quand je vous ai dit qu'il n'y a personne qui sera épargné puis que tout était pour changer, wow, je pensais pas que c'était pour venir aussi vite, mais je l'avais dit que ça sera en 2020. Mais que je, ça serait aussi gros, puis que tout le monde serait vraiment touché comme ça, puis que c'était vraiment que le début. Mais ça nous permet de se retrouver. Puis ce qui se passe, c'est très, très grave. Prenez pas ça à la légère. Écoutez pas, ça, écoutez pas ceux qui vous disent que c'est rien, puis que ils prennent, vous pouvez prendre ça à la légère, puis qu'il y a un médicament qui est trouvé. C'est tout de la bullshit, ça. J'en parle sur mes autres chaînes aussi. Mais finalement, c'est important qu'on se retrouve dans la paix et l'harmonie, puis qu'on réalise que. Tout va passer par nous. Il n'y aura pas un magicien qui va venir nous changer, c'est nous qui allons changer. Mais ça va prendre du temps parce que, je peux te dire une chose, quand tu regardes ton voisin, ce n'est pas demain matin la veille que tu vas le convaincre de ce que je viens de te raconter. Je vous reviens avec des inondations massives qui frappent, eh oui, la capitale d'Elhi, 200 maisons affectées, 25 000 personnes qui sont touchées au Timor oriental, en vous parlant d'ici qui bientôt on aura notre saison des inondations aussi, plus vite qu'on pense, avec le temps doux. Je vous reviens.